Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, je suis Mr. Green. Avant que l'hiver ne s'installe définitivement en cette fin d'année, nous allons faire un petit tour en forêt. Les feuilles des arbres ont revêtu leur couleur chaude avant de tomber au sol pour former une couverture épaisse avant l'arrivée du froid. Rouge, orange, jaune, une véritable peinture de maître. La forêt est un véritable écosystème qui, en cette période où la chaleur de l'été disparaît et les pluies arrivent, voit pointer le bout du nez de nouveaux habitants. Ni animal, ni végétal, ils sont pourtant fortement appréciés de tous les animaux de la forêt, mais également des humains. Il s'agit des champignons. À aujourd'hui, environ 70 000 espèces ont été répertoriées. Ils sont classés en seconde position après les insectes, avec parfois plus de 1 000 espèces dans certaines forêts. Une hypothèse émet le fait qu'ils pourraient être 5 fois plus nombreux que les plantes. Visibles ou invisibles, ils sont partout et peuvent coloniser tous les milieux, même notre corps. Nous pouvons les répertorier en 3 catégories. Tout d'abord, les champignons parasites. Ils sont ceux qui engendrent des désagréments, voire la mort de leurs hôtes. Ils permettent une régulation naturelle au sein de la forêt. Les saprotrophes, eux, peuvent être assimilés aux nettoyeurs ou décomposeurs. Ils s'installent sur les bois morts ou même vivants et permettent ainsi de nettoyer la forêt et régénérer le sol avec de nouvelles matières organiques. Pour terminer, les symbiotiques, qui vivent en association avec un végétal, ils lui fournissent en échange de son installation la nourriture essentielle à sa croissance. Ce sont généralement ceux que nous connaissons et que nous savourons en automne. Est-ce que le réchauffement climatique et l'activité humaine ont une répercussion sur les champignons? Oui, des études ont démontré que la pollution atmosphérique, la destruction des forêts, en particulier tropicales et primaires, la fragmentation des habitats, l'agriculture moderne, les récoltes excessives et la mauvaise gestion des espaces naturels ont un impact fort sur la disparition progressive de certains champignons. La Suisse est à la pointe pour le suivi des champignons. Dès les années 70, face à la cueillette des amateurs, ils ont réalisé des études sur son impact ainsi que sur le piétinement des sols. Aucune conclusion négative sur la cueillette n'a été émise, cependant, le piétinement semble altérer la reproduction des champignons. Gary Linkoff, écrivain américain spécialisé dans les champignons, ayant voyagé à travers le monde à leur découverte, nous dit de manière ironique que tous les champignons sont comestibles une fois. Entre comestibles, gastronomiques ou toxiques, la frontière est très floue. Il est donc essentiel d'être prudent et de se renseigner auprès de professionnels avant toute consommation de champignons. Il est également intéressant de voir la toxicité des champignons évoluer au cours du temps. Certains champignons consommés par des générations de cueilleurs sont aujourd'hui toxiques. Et oui, rien n'est figé dans l'évolution. Faisant partie intégrante des écosystèmes et contribuant à l'équilibre des forêts, il est nécessaire de protéger les espaces forestiers, sachant que la recherche scientifique n'est qu'à ses débuts en termes de connaissances. L'univers des champignons est complexe et immense à aborder. Profitez également lors de votre promenade pour prendre un bain de forêt. Il s'agit d'un concept japonais appelé le Shinrin-yoku. Créé par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche japonais en 1982, il consiste à s'imprégner de l'atmosphère de la forêt. Cela consiste à marcher lentement de 2 à 4 km à travers un bois ou un parc isolé des bruits de la ville. Cette balade vous permet de stimuler les fonctions immunitaires, améliorer la qualité du sommeil, diminuer la tension artérielle et la fatigue, et ainsi réduire les hormones responsables du stress.
Dans les années 90, des études scientifiques ont permis de démontrer l'efficacité de ces promenades. N'oublions pas, nous ne faisons qu'un avec la nature. Bonne balade à tous et excellente matinée sur Liberté FM. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois ? Mais alors, tu vois le Green, Green, absolument. Green, plus Green.